Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers apprenants et chers élèves, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Pour ce 13e et dernier chapitre de physique chimie du niveau 4e des lycées collèges de Côte d'Ivoire, intitulé Qualité de l'eau, nous allons faire deux vidéos de cours et trois vidéos d'exercice. D'abord, nous commencerons par la vidéo numéro 1 de cours. Ensuite, nous continuerons avec la vidéo numéro 2 de cours. Puis, nous passerons à la vidéo numéro 1 d'exercice. Nous continuerons notre marche avec la vidéo numéro 2 d'exercice. Et nous terminerons par la vidéo numéro 3 d'exercice. Dans cette séance, nous allons faire des exercices sur la qualité de l'eau. C'est la vidéo numéro 3 d'exercice sur ce chapitre. Exercice numéro 1 donc. Lors d'une séance de travaux pratiques en classe de 4e-3 d'un collège moderne, le professeur de physique chimie propose l'étiquette d'une eau minérale comme indiqué ci-dessous. Le but est de juger de la potabilité de cette eau minérale. Voilà ici l'étiquette de l'eau minérale en question et nous avons les normes de l'OMS. Tu es désigné pour vous présenter ta production. Cite quelques paramètres de qualité de l'eau. Petit 2, 2, 1, compare chacune des valeurs des paramètres ci-dessus aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. 2, 2, conclue quant à la potabilité de cette eau minérale. Petit 3, fais des recommandations à la société qui fabrique cette eau minérale. Bien, voilà l'exercice. Nous allons commencer à répondre. Première question, on dit de citer quelques paramètres de qualité de l'eau. Alors, les quelques paramètres de qualité de l'eau que nous allons citer, nous avons les paramètres organoleptiques, nous avons les paramètres physico-chimiques, nous avons les substances toxiques et nous avons les substances indésirables. On va écrire ça. Bien, on a fini avec cette question. Nous allons passer à la question numéro 2. On nous demande en 2, 2, 1, compare chacune des valeurs des paramètres ci-dessus aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Alors ici, nous allons faire la comparaison. Regardez bien, lorsque nous prenons le pH, l'Organisation mondiale de la santé nous recommande d'avoir un pH compris entre 6,50 et 8,50. On voit que l'eau minérale est dans l'intervalle. Le chlore résiduel, l'Organisation mondiale de la santé nous demande de prendre 5 mg par litre et nous voyons que l'eau minérale est à 10 mg par litre, c'est trop. C'est le double carrément de ce qui est recommandé. Nous avons ensuite le fer 2+. Le fer 2+, l'Organisation mondiale de la santé recommande 0,3 mg par litre. Pour cette étiquette d'eau minérale, nous avons 0,2 mg par litre, qui sont en dessous de la norme. Et nous prenons le manganèse. Le manganèse, sur cette étiquette, nous avons 0,05 mg par litre. Or, l'Organisation mondiale de la santé recommande 0,1 mg par litre. Vous voyez qu'ils sont en dessous de la norme pour le manganèse. L'ammonium NH4+. L'Organisation mondiale de la santé recommande 0,5 mg par litre. Et pour cette étiquette d'eau minérale, nous avons 0,3 mg par litre. Ils sont en dessous de la norme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons le sulfate. Le sulfate pour l'Organisation mondiale de la santé, il faut 250 mg par litre. Et ici, ils sont à 200 mg par litre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint la norme de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous prenons l'ion chlorure. L'Organisation mondiale de la santé recommande 200 mg par litre. Et sur cette étiquette, le chlorure n'y figure pas. Le sodium. L'Organisation mondiale de la santé recommande 250 mg par litre. Et dans leur cas ici, pour le sodium, il n'y en a pas. Et le magnésium.
L'Organisation mondiale de la santé recommande 50 mg par litre et eux, ils sont à 100 mg par litre. Ils sont au double, dans le double de la quantité de magnésium. C'est trop. Le nitrate. L'Organisation mondiale de la santé recommande 50 mg par litre, alors qu'eux, ils sont à 30 mg par litre, c'est-à-dire qu'ils sont en bas de la norme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Pour le nitrite, nous avons 3 mg par litre recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, et pour cette étiquette d'eau, il n'y en a même pas. Alors, donc, nous avons déjà répondu à la question 2.1 en comparant ainsi les différentes valeurs. En 2.2, on dit de conclure quant à la potabilité de cette eau minérale. Nous dirons simplement que cette eau minérale n'est pas potable parce que les normes de l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas rigoureusement respectées. On va écrire cela. C'est la question numéro 1. Vite. Petit 2, 1. Les valeurs sur l'étiquette d'eau minérale sont soit plus petites ou plus grandes que les normes recommandé par l'OMS. Deux, on dira que cette eau minérale n'est pas potable car les critères de potabilité de l'OMS ne sont pas respectés. Bien. Alors, maintenant, en petit 3, on dit fait des recommandations à la société qui fabrique cette eau minérale. On dira à la société qui fabrique cette eau minérale de se mettre à jour par rapport aux critères de potabilité recommandés par l'OMS. On repart. On a donc fini de répondre à toutes les questions. Ça veut dire que nous avons fini avec cet exercice. Nous allons passer à un autre exercice. L'étiquette d'une eau minérale est décollée. Votre professeur vous demande de vérifier la présence de certains ions dans cette eau. Pour cela, il met à votre disposition 3 tubes à essai contenant chacun cette eau minérale, une solution de nitrate d'argent, une solution de chlorure de barium et une solution d'oxalate d'ammonium. Les résultats de ces expériences sont les suivants. Tube à essai 1, quelques gouttes de solution de nitrate d'argent versées dans ce tube donnent un précipité blanc qui noircit à la lumière. Tube à essai 2, quelques gouttes de chlorure de barium versées dans ce tube donnent un précipité blanc. Tube à essai 3, quelques gouttes d'oxalate d'ammonium versées dans ce tube donnent un précipité blanc. Tu es désigné pour présenter la production de ton groupe. Petit 1, définis une eau potable. Petit 2, cite les paramètres de qualité de l'eau. Petit 3, indique le paramètre de qualité de l'eau auquel appartient la présence des ions. Petit 4, précise les formules chimiques des ions identifiés dans cette eau minérale. Alors, pour la définition d'une eau potable, nous allons dire qu'une eau potable est une eau qu'on peut boire sans danger et qui respecte les normes de l'OMS. Bien, on a fini de répondre à cette première question. Nous passons à la deuxième question.
La deuxième question nous demande, cite les paramètres de qualité de l'eau. Les paramètres de qualité de l'eau sont les paramètres organoleptiques, les paramètres physico-chimiques, les substances indésirables et les substances toxiques. Bien, on a fini avec cette question. Nous passons à la troisième question. On nous demande, indique le paramètre de qualité de l'eau auquel appartient la présence des ions. La présence des ions appartient aux paramètres physico-chimiques. Petit 4 précise les formules chimiques des ions identifiés dans cette eau minérale. Alors, petit 4. Les ions identifiés sont les ions Cl-, les ions SO4-2- et les ions Ca2+. Et donc, on va dire que l'ion Cl- a été identifié grâce à l'ion argent présent dans le nitrate d'argent. Ensuite, nous avons l'ion SO4-2- qui a été testé par l'ion barium présent dans la solution de chlorure de barium. Enfin, nous avons l'ion calcium Ca2+ qui a été testé par l'ion oxalate présent dans la solution d'oxalate d'ammonium. Alors, donc, on a fini avec cet exercice. Je vous souhaite une très bonne compréhension. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la BACADEMY. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.